Qu'est-ce qu'on mange? Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Toi? Je peux pas manger. Exact. Tant que toi t'as pas faim. Comme les youtubeurs. En gros plan. Tu penses que je dois mettre la table aussi ou c'est comment? Bah bien évidemment. Il y a un dessert. Un mini dessert. Tu sais que j'aime pas les chocobons. Il était prêt, ça fait 2 jours qu'il est prêt. T'as envie d'un secret là? Je commence. Oh! De quoi tu me parles? Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme toutes les vidéos sur ma chaîne, j'ai l'impression, je commence cette vidéo démaquillée et au réveil, mais vraiment, je viens juste de me réveiller. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, vu que je serai en compagnie de Jérémy. Vous me l'avez tellement demandé. Aujourd'hui, c'est le combo. Vous aimez trop les vidéos 24h et vous avez trop envie que je fume avec Jérémy, donc du coup, je fais les deux. Aujourd'hui, je vais manger exactement tout pareil comme Jérémy pendant toute la journée, pendant 24h. Et je ne sais absolument pas ce qu'il va me concocter, donc on va voir ça. J'ai hâte de voir, il est dans la douche, je l'attends. Il me demande vraiment ce qu'il va me faire pour ce matin, j'ai ma petite idée. Mais pour le reste de la journée, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que vous foutez là, les deux? Là et là. Mais me regardez pas comme ça. Bon, par contre, là, j'ai faim. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Wow. J'ai trop faim. J'ai faim. Bon, c'est bien les chats, mais moi j'ai faim. Faut deux bols. Qu'est-ce qu'on mange? Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Toi? Préparation culinaire de haute volée. De quoi? De haute volée. Haute volée? Ouais, je sais pas parler français. Je participe pas. En vrai, aujourd'hui c'est toi qui vas faire à manger du matin au soir. Comme tous les jours. Non, c'est totalement faux. Comme tous les jours, toute l'année. T'es un malade, et c'est plus moi qui vais manger que toi. Pardon, pardon ma grosse. Donc tu commences par un petit yaourt. Mm-hmm. Donc il y a un œuf. Tu nous mets une mixture là. T'inquiète, ça date. Ensuite, on met la levure. Les mesures, c'est un peu à l'arrache. Faut pas l'oublier, parce que sinon, c'est un peu moche. Donc après, du son d'avoine et pas du flocon d'avoine. Flocon d'avoine, c'est mort. En fait, je l'ai fait plus du tout avec les mesures depuis longtemps. Après, tu vois, si c'est trop liquide, bah, fort mec. On met une demi-banane. Mmh. Demi-banane, tu mélanges. Ouais. Pour que ce soit homogène. Et après tu mets du chocolat, ça c'est pas obligatoire, mais c'est meilleur. Ok. Et tu t'en fiches de le mélanger parce qu'en fait après ça... ça fond et... Ouais. Pour l'instant ça a l'air ignoble. Ouais, t'inquiète. Hop, tu vas m'y prendre. Plus le bol est épais, plus c'est long. Okay. Donc là il est pas trop épais donc je pense que ça devrait aller. Normalement c'est 2 minutes 30. Un gâteau du matin. Exactement, un bowl cake. Un bowl cake. Un bowl cake. Un bowl cake. Mais en gros c'est genre sain mais bon quoi. C'est sain, bourratif et genre ça tient bien encore aussi. Voilà. Mmh, tu mets l'assiette par-dessus. Tu prends ton bol avec ton petit. Tu retournes. Oh, incroyable. Ah, c'est vraiment un gâteau. Ouais. Mais c'est dingue. Je vais poser ça sur la table. Dépêche-toi de faire le tien parce que là je vais le dévorer. J'ai soif, est-ce que je suis bois le matin? Ah ouais, donc j'ai oublié. Je voulais des tisanes. Oh. Du coup, tu veux bien me faire une tisane? Ouais, mais on n'a pas de boire, donc ça me prend. Est-ce que tu bois de l'eau? Non, c'est du tisane. Je dois faire tout comme toi. Toi, tu bois pas de café, moi non plus. Et du thé non plus. En vrai, c'est vrai qu'on boit, on boit tout le temps des tisanes. C'est la vie, les gens. Ouais, c'est vrai que tout le monde. Nous, c'est la journée, parfois on est fatigué, mais on boit jamais. Les gens, ils mettent de la Red Bull. Du Red Bull. Mais c'est un truc de ouf. Pourquoi tu dis la Red Bull? Vous dites de la Red Bull ou du Red Bull? Tu vas voir, ça va être un vrai bail parce que tout le monde dit de la Red Bull. Mais non, mais moi je dis du Red Bull depuis la nuit des temps. Mais non, c'est pas de la Red Bull, mais t'es malade. Moi, tu sais que j'ai jamais entendu quelqu'un dire de la Red Bull. Je sais que j'ai raison. Tu vas avoir le seum en commentaire. J'ai soif. Putain, c'est long. Non, mais regarde, ça y est, tu te. Mais attends, du coup, toute la journée, genre si j'ai faim, ouais, je peux pas manger. Exact. Tant que toi, t'as pas faim. Exact, mais vu que j'ai tout le temps faim. Ah. Tu vas grossir. Allez, ouais, j'ai faim. Ouais, 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 dépêche-toi, voilà, pas fou. On dirait les chaînes de. On dirait les chaînes de cours, mais non. Ouais, c'est vrai. Imagine, c'est pas du tout. Si, 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 c'est malade. Mmh. T'as vu? Plein de chocolat. Ouais, tu manges, je te promets, c'est grave bon. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon parce que c'est un gâteau. Ok, let's go! Ok, let's go! Tout le monde trouve ça trop trop bon et je comprends pas comment tu peux trouver ça pas bon. Une fois, on l'a fait goûter à Lorraine et elle a dit, c'est dégueulasse. Ouais, c'est grave bon parce que c'est un gâteau sucré, mais c'est un gâteau sucré sain. Genre, ça a le goût de yaourt. Je vous tiens pour moi, c'est une différence. C'est grave bon. On sent grave la banane, donc c'est grave bon. Et le chocolat, mais c'est genre un gâteau au son d'avoine quoi, on l'oublie pas. Pour l'instant ça va, je valide. Comment c'est trop bon, je suis choquée. Et ouais, en fait c'est nul comme challenge parce que je suis ton esclave pendant la caméra. Je vais faire à manger, je vais acheter tout. Ouais, ça fera pas le focus. Ah ouais, comme ça. Comme les youtubeurs. Je peux plus.
Mon porc. Bon, j'ai hâte de voir ce que tu vas me concocter pour... Je te parle. Ouais. Pour déjeuner. Ta surprise. Tu vas aller faire des courses? Mais pour moi, ta surprise. Je sais toujours pas. Je sais pas. Il y a des gens qui doivent pas savoir qu'on vit pas ensemble quand même. Parce que sinon c'est bizarre. Quand t'es en couple, en général, tu me demandes globalement la même chose que l'autre. Pas nous, vu qu'on vit pas ensemble, on est juste en vacances. Et j'ai déjà faim. Mais surtout que t'es sérieuse? Non, mais genre j'en ai l'eau à la bouche. Surtout qu'il y a plein d'aliments où tu prends la tête tout le temps. Ah bon? Oh oui. Tu me dis sérieuse, là, genre le quinoa pendant 2 ans. Le quinoa, ça te fait vomir pendant 2 ans et après tu fais des grandes salades de quinoa. Moi, mais j'avais un blocage. Mais là, il y a plein de blocages, je vais tous les débloquer en une journée. Fais tout ce que tu veux, mais pas de mayonnaise. Ouais, mais normal. J'aime pas la mayonnaise. La mayonnaise, je te vomis dessus, instantanément. Comme là. J'en ai le hoquet. Heureusement que j'ai pas un monteur. Déjà, si tu prends un monteur, c'est une monteuse. Pourquoi? Flemme. Tu fais du lifestyle et tout, il y a plein de trucs, genre tu te changes, tu fais du sport et tout. Mais bon, quand t'as un monteur, tu te changes pas devant la cam. En gros plan. Je préfère que ce soit une fille qui regarde ça plutôt qu'un mec bizarre là. Eh, hey, on dit pas ça à la caméra. Covidé. Covidé, Davidé. Gilet jaune. Gilet jaune. On se retrouve pour le déjeuner. Allez, salut. C'est l'heure de déjeuner. Je suis trop contente parce que j'ai faim. Jérémy est allé faire des courses. Je sais pas ce qu'on mange, mais j'ai hâte de savoir parce que vraiment je crève la dalle. Mais en vrai, le petit déj de ce matin était grave bourratif parce que là, il est quelle heure? 14h10. Donc on a bien tenu. Et je me suis habillée. Je me suis habillée, j'ai mis une petite combi et je me suis maquillée. C'est vrai? Moi j'aime bien, mais. Je sais même pas si j'aime bien. Pour les aliments, je sais pas si ça va. Les aliments, je sais pas si ça va faire. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi ce truc? C'est un rack de brosse. Pas incroyable. Ouais. Ensuite, on va manger une salade. Ouais. J'ai pas très faim. Avec de la mozza. Dommage, je crève la dalle. Des asperges. Ouais. Que tu n'aimes pas trop. Moi j'aime trop. Et du basilic. Trop bon. Et toujours dans la salade, des fraises. Dans la salade? Ouais, fraises asperges. Fraises asperges. Non, je rigole pas. Et c'est bon ça? C'est un bête de mélange, ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça a l'air trop bonne. Oh, moi, c'est pas que j'aime pas les asperges. Enfin, si, en fait. C'est pas que j'aime pas. C'est que je suis pas très très fan, j'avoue. Dommage, c'est 50%. Ok, est-ce que en attendant que tu cuisines tout, je peux manger du pain? Ouais, mais tu gâtes pas. Tu comprends? J'ai trop faim. Mais ça crame là, non? Non, c'est bien, c'est grillé. T'aimes pas? J'en sais rien, j'aime pas les asperges. Bah, moi c'est bon les asperges là, quand c'est grillé. J'ai peu confiance dans les asperges. Pourquoi? Parce qu'elles étaient congelées. C'est pas ouf. Tu me fais peur. Ça a l'air super. Quel cuistot! En fait, c'est une salade de fraises. À l'asperge. Toi l'asperge. C'est toi l'asperge! Bon, attends, elle prend un peu la gueule. Mais là, fais pas la gueule, c'est du vomi là. Tu penses que je dois mettre la table aussi ou c'est comment? Bah, bien évidemment. Non, parce que. Attends, t'es en train de faire quoi là? Non, mais Jérémy. Je te promets, c'est trop bon. Les plus grands chefs ont cette recette. Alors, voilà. Tu penses qu'ils les prennent comme ça les asperges? Non, j'avoue, mais bon, là, regarde, elle fait un peu la gueule. J'ai hâte de voir avec la burrata. Dans ma tête, c'était beaucoup plus joli que ça. Normalement, on ne relève pas les secrets du chef. C'est meilleur. Oh là là, cet artiste. J'avoue, huile d'olive fraise, c'est un délire. Hein. Bon, voilà comment ça se présente. En vrai, c'est mignon, hein. Ouais, il y a trop de fraises, je pense. On va voir. Attends, c'est moi qui goûte d'abord. Il est trop bien ce que tu trouves ça dégueulasse. Attends, il y a rien. Genre, c'est super bizarre. En fait, tu manges juste des asperges, des fraises et de la mozza. Genre, il n'y a pas un truc. Ah ouais? Non. Normalement, il est censé y avoir un truc. Bah, il n'y a pas de truc, hein. La mozza, elle prend tellement de goût. Ouais, la mozza, elle prend trop de goût. T'es d'accord avec ce que je dis? Ouais. Ça n'a pas de sens. Bah, faut manger. C'est pareil quoi. C'est pareil, bah, on fait un très plat dessert. Ouais. Et genre la fraise dans le vinaigre, j'avoue que c'est chaud. Ah ouais? Oh non, mon bébé, il est trop mignon. Non! C'est frais de ouf par contre. Ouais. Fait du bien, genre. Il y a un dessert? Un mini dessert. Ok. Ah, j'en ai plus. J'ai acheté le dessert. Ok. Du coup, j'ai goûté les chocobons, voir s'ils ont un goût différent. Tu sais que j'aime pas les chocobons. Ah bon? C'était pas sûr. C'était pas sûr. T'aimes pas les chocobons? T'as fait exprès. Non, franchement, je te promets, j'avais trop envie de goûter les chocobons. T'as une tête de menteur. Mais c'est pas possible de pas aimer les chocobons. Je te promets, même moi aussi, avant, je disais, j'aime pas les chocobons, mais c'est. Non, mais en fait, je trouve ça. Je trouve pas ça pas bon, tu vois. Mais en fait, je trouve que c'est. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que par exemple, tu vois, ceux qui se gavent de chocobons, bah, je les comprends pas. Tu peux te gaver de Kinder Bueno, tu peux te gaver de chips, mais de chocobons, genre, je comprends pas. Je fume comme ça.
Genre je trouve pas ça dégueu, mais comme je te dis, genre je comprends pas qu'on puisse se gaver de ça parce qu'il y a largement meilleur. Choco bueno. Mais qu'est-ce que t'as? Tu vas pas manger des chocobons toi ici? Concentré sur son chocobon. Oh 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 oh. Quoi? Chocobon in the pool. Oh oh, il va rentrer dans le truc. J'ai hâte d'être au goûter. Je sais pas si on va prendre vraiment goûter, hein. Tu vas goûter? Non mais je veux un truc sucré. Et au dîner. Allez, salut. A few moments later. Les gars, Jérémy il vient de m'annoncer une nouvelle, on va manger des glaces. On va à notre endroit préféré. C'est vraiment des glaces trop bonnes. Moi ma glace préférée c'est la peanut. Elle est trop bonne. Moi je sais pas si je prends carnet, encore carnet ou pas. C'était bon carnet? C'était trop bon, mais je dois prendre comme toi donc. Tu vois même pas ce que tu filmes cette vidéo. Dépêchez. Tous les jours ils nous voient ici à prendre la même glace, à venir à la fermeture à chaque fois, d'être ouais. Détester. On est vraiment des gens du dernier moment. Comment tu dis cornet en anglais? Cornetto. Moi je fais comme ça. 10. Cornet. Quoi? Ils sont moches. On dirait pas Justin. Dites-moi. On dirait pas genre Justin Bieber quand il fait ça. Et il y a des chats partout. Oh non! Peanuts and pistachio. Regardez juste les glaces et en tout 5 euros. Peanuts, c'est genre sneakers. Je sais pas comment c'est possible, c'est sneakers. Je déteste les glaces, c'est cool, ça me donne envie de péter un câble. Merci pour ce choix, je valide. Non, vraiment, on compte. Toi, tu veux? Bon, je me mange pas. Genre, j'ai l'impression que je suis la seule du monde. Ça me dégoûte trop les gens avec leur bouche sur les gars comme ça. Vite! J'en ai même plus. J'ai une question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh, je crois que tu te rends pas compte à quel point on se gonfle. On a mangé un bol cake le matin. Non. Une salade à la fraise ce midi, puis c'était chocobon, puis c'était une nanon de glace. Et maintenant tu m'as lui dîner direct là. J'en dissipe. Je poste mon reel. J'ai pas mis la couverture. Il était prêt, ça fait deux jours qu'il est prêt. Depuis que je fasse un outro, non? Oui, mais ce soir. Même un outro direction dîner. Direction dîner. Wouh. Des oranges. Il vient de m'annoncer qu'il n'avait pas envie de cuisiner et donc il veut aller chercher quelque chose à emporter, mais il ne me dit pas quoi. Bah ouais, parce que le couvre-feu c'est dans 1h10. Quoi? Bah oui, tu peux y aller. Donc j'attends de voir ce que c'est. Et j'avoue qu'en fait j'ai pas faim, mais en fait j'ai faim. Regardez ce qu'on a acheté au magasin. Je suis désolée, c'est orange, mais on va essayer de faire quelque chose. J'ai trouvé ça. À toute. Quand j'étais petite, mon père il m'en achetait. En vrai, on est en Italie, donc à part des pâtes et des pizzas, je vois pas ce qu'il peut me ramener. A few moments later. Il vient de m'envoyer un message, il m'a dit get ready. Dans une minute, il arrive. Ah, ah, c'est des pizzas. Je vois déjà que c'est des pizzas. Quoi? La pizza a coulé partout dans la voiture. Mais non. On va les découvrir ensemble. Ah bon. What? Elles sont grave bonnes. Ouais. Celle-là a coulé. Mais c'est quoi cette merde? Il a pas de comprendre. Celle-là, elle a l'air mille fois mieux. Tu savais combien ça coûte? Ah ouais, cher? 11 balles pour les deux pizzas. Celle-là, elle coûte 4 euros. Tu te fous de ma gueule? Celle-là, elle coûte 4 euros. Mais non. Franchement, c'est bon, c'est spécial, c'est bon. Ouais. Ça va, quoi, de ouf? J'ai un panini. De ouf. C'est un panini mozza. Oh, attends, je crois que je sais pourquoi on est jaune. T'es prêt pour voir la différence? Ouais. Wouah, mais on est. Ouais, j'étais en daylight. Oupsie. C'est toi qui m'as mis daylight sur la caméra. Tant que bon, on va goûter l'autre. On va voir les scènes d'un viol. Ouais. Ou pas. On juge peut-être un livre à sa couverture. C'est un mukbang. Un mukbang. Mukbang. T'as vraiment trop de pige. Est-ce qu'on leur dit ou pas qu'on a la fourmi devant la bouche et qu'à cause des droits d'auteur, on peut rien garder, rien mettre comme musique. Donc là, c'est dur pour nous. Viens, va chercher un cheesecake au burger. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire 20 minutes. Mais là, c'est à 2 minutes. T'as envie d'un cheesecake là? Ah, je sais pas, un cheesecake. Non, je suis désolé, mais là, je t'ai super longtemps d'ailleurs. Pour moi. Non, c'est marrant. C'est mange comme mon mec, c'est pas genre. Je fais des caprices à mon mec. Voilà, ce que je veux manger. Je commence. Oh! Hé! Hey, tu casses mon burger! Il est horrible à manger. Trop bon, mais là ça va m'atomiser la gueule. Mais c'est trop bon. J'ai envie de vous faire écouter ma majorité lag. Comment tu fais? Mais pause! Ouais. Et moi quand je le fais, t'es debout. Comme ça. Non, tu fais tout le temps ça. Non mais de quoi tu me parles? Tu t'en rends même pas compte. Mais de quoi tu me parles? Sur tes putains de vidéos, t'es tout le temps comme ça là. Tu t'en rends vraiment pas compte en fait. De quoi tu me parles? Vas-y, monte ton téléphone, on met une vidéo. J'avoue, mon truc de ouf. Tout le temps, 4 fois, 4, 10 fois. J'ai plus de batterie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura.
aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Ça va s'afficher sur Jérémy. 1, 2, 3. Je poste tous les jours et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Tu peux dire au revoir.